Notre prochaine invitée est une grande militante. Et quand elle parle des dessous de la politique, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle les a déjà repassés. Accueillons Lisette Lapointe. Oui! Julie. Est-ce que c'est votre vin? C'est le vin qu'on fait juste à côté de chez nous, là-bas, dans le sud de la France. Que vous avez écrasé vous-même? Non, pas encore. Mais je voulais que c'était pour vous consoler, peut-être, de la peine qu'on vous a fait hier. Merci beaucoup. Des petites mésaventures. Pas pour la noyer, oui. Mais c'est très bon. Vous verrez. J'en aurais eu besoin, moi, hier soir, après l'émission. Merci beaucoup. C'est plaisir. Quand vous allez faire votre vrai vin, là, vous allez nous en apporter. Promis. Aussi. Bon, promis. Dans combien d'années, le vrai vin, là? L'an 2000, à peu près. L'an 2000, bon. Madame Lapointe, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, parce que on vous a connu en politique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça fait 15 ans que vous travaillez, que vous êtes directrice générale d'un organisme qui s'appelle Autoprévention. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que c'est pour prévenir les accidents d'auto? Ah. Non, mais effectivement, non. On s'adresse aux travailleurs et aux employeurs des garages, du secteur des services automobiles au Québec. On travaille à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles pour les mécaniciens et puis les carrossiers. Est-ce que vous ne devez pas être... vous ne devez pas avoir beaucoup de femmes dans ce business-là? Non, pas hein? encore, mais disons qu'on a tellement avancé en termes de technologie puis en termes d'amélioration des conditions de travail que maintenant, ces métiers-là sont des beaux métiers, autant pour les jeunes garçons que les jeunes filles. Alors, vous invitez les femmes à aller dans ce corps de métier. C'est ça. À devenir mécanicienne. Bientôt, on commence le 23 octobre une belle campagne de sensibilisation qu'on appelle la passion du métier. Puis on espère qu'on va avoir de plus en plus de femmes comme mécaniciennes puis comme carrossières. Une bonne idée, moi, je trouve. Vous avez tenté de changer la loi parce que votre fils a été victime d'un accident. On peut peut-être résumer ce qui est arrivé, parce qu'il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne le savent pas. En 89, effectivement, il a subi un grave accident. Il a été renversé par une moissonneuse-batteuse. Le conducteur était ivre, avait 0,24 d'alcool. Alors, c'est certain que je me suis battue avec lui pendant plusieurs années pour que... Une victime d'un crime, quand une personne est condamnée par une cour, par un tribunal, soit à délit de fuite ou à négligence criminelle, moi, je pense que les victimes devraient avoir le droit de les poursuivre au civil. Alors, on s'est battu pendant plusieurs années pour faire changer cette loi-là. Vous n'avez pas encore gagné. L'an passé, on était un regroupement important de parents et de victimes. Nous sommes allés à Québec en commission parlementaire, mais on a eu un non. Et les gens qui pensaient que vous aviez beaucoup de pouvoir, puis moi, on se fait dire la femme du premier ministre, il me semble que ça doit être facile de changer de loi. Vous savez... Mais vous étiez peut-être trop près du pouvoir. Quand on est directement concerné, on ne peut pas commencer à se privilégier soi-même en changeant une loi, même si c'est une loi qui devrait être changée et qui toucherait beaucoup de gens. Alors, c'est certain que pendant que mon mari était premier ministre, on ne pouvait pas toucher à ça. Mais dès que nous sommes sortis de politique, on a repris la bataille. Et puis, je suis certaine que c'est pas terminé, qu'on va continuer. Non, j'espère que vous allez gagner un jour, parce que si moi, par exemple, je suis négligente, là, j'ai une négligence... Par exemple, si je suis pompette puis que j'échappe à un ordinateur sur le pied d'une de mes recherchistes, elle a le droit de me poursuivre. C'est-à-dire que si vous lui lancez... Bon, si négligence, je lance... négligence criminelle... Bon, si je lance un ordinateur à la tête de quelqu'un... Il faut qu'il y ait presque... Vous savez, c'est presque comme si c'était conscient, comme si c'était volontaire. Elle a le droit de me poursuivre. Oui, bien mais sûr. Si je suis dans ma voiture et que je suis pompette et que je l'écrase, là, elle n'a pas le droit de me poursuivre. Absolument pas. Donc, c'est quand même assez absurde. C'est que ça fait deux catégories de victimes, puis c'est très injuste. Bon, là, il y a quelque chose de très spécial dans votre cas, et c'est que votre fils, quand il était victime d'un accident, le chauffeur de la moissonneuse-batteuse, celui qui était en état d'ébriété quand il a accidenté votre fils, celui qui l'a défendu, son avocat, c'était Serge Ménard. Serge Ménard, qui a été ministre de la Sécurité publique, qui a été nommé ministre de la Sécurité publique par votre mari. Au moment de l'appel, parce que voyez-vous, la personne a été reconnue coupable de négligence criminelle en première instance. Et là, il est allé en appel. Et c'est au moment de l'appel que Serge Ménard l'a défendu. Puis Serge Ménard, c'était un bon avocat.
c'est un excellent criminaliste, c'est certain. Et donc, il a bien mené sa cause? C'était très dur, c'était très difficile. C'est toujours difficile pour les victimes, même si on sait que tout le monde a droit à un avocat, à une défense. C'est toujours difficile de voir que toute la force semble du même côté. Puis, quand vous avez rencontré M. Ménard, quand votre mari vous a dit « je vais nommer Serge Ménard ministre », est-ce que ça ne devait pas être facile pour vous d'aller vers lui, hein? Il devait y avoir comme disons un petit froid. Disons que les relations n'étaient pas très chaleureuses pendant un bon bout de temps. Puis lui, il m'avait confié, M. Ménard, en entrevue, qu'un jour, il vous avait écrit une belle lettre. C'est vrai. Est-ce que c'est grâce à ça que vous avez... C'est vrai. Mais moi, je dois vous dire que faut quand même reconnaître que les qualités des personnes dans des conflits très personnels, souvent, bien, l'émotion passe avant bien des choses. Mais il fait un excellent travail comme ministre. Je voyais justement là, ce matin dans les journaux que le gouvernement va aller en appel aujourd'hui même d'une décision d'un juge qui avait donné une sentence assez faible, 2 ans, à des hommes pour un viol collectif d'une adolescente l'année dernière. Alors moi, je pense qu'il est très bien à sa place. Comme ministre de la Justice, il fait... Il fait un excellent travail. Et puis, après qu'il vous écrit la lettre, maintenant, vous avez réussi à passer par-dessus ça. C'est quand même admirable de... Bien, écoutez, c'est certain. Il faut mettre certaines choses derrière nous. C'est, mm-hmm. c'est comme évidemment l'accident et puis l'accident de Hugo, tout ça. Aujourd'hui, il est très bien. Il est redevenu comme avant. Alors, on tourne la page et puis... Et aujourd'hui, il veut devenir un artiste, votre fils. Voilà. Depuis 2 ans, déjà, il travaille dans ce sens-là. Et vous, parce que vous êtes une vraie bonne mère, vous dites, mon fils veut devenir artiste, je vais m'inscrire à l'école du show business et je vais apprendre comment gérer une carrière et devenir une Renée Angélil pour mon fils. Une Renée Angélil. Bien, écoutez, ça va plus loin que ça un petit peu. J'aime le monde du spectacle, le monde des arts, le théâtre depuis toujours. Hugo veut s'en aller dans ce domaine-là. Il y a plein de talents au Québec. Il y a plein de jeunes qui ont du talent. On a des beaux artistes, mais souvent, ils ne savent pas trop comment commencer. On entendait Lara Fabian tout à l'heure bien qui oui. disait « c'est pas facile au début ». Alors, vous allez nous présenter votre artiste. Ah bon? Bien, d'accord. Faites une manager de vous-même. On va essayer, même comme jeune étudiante. Alors, mesdames, messieurs, le jeune Hugo Lapointe-Massicotte. Artiste. Oui, artiste. Est-ce que tu es tanné d'être le fils de Lisette? Ah oh, oui, je suis tanné. Je veux changer de mère. Là, y a-tu des candidats? Mais tu veux la garder comme manager? Ah oui, 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 absolument. Parce que ça prend quelqu'un en qui on a confiance, puis une mère, mais je pense que c'est. Oui, il faut avoir confiance en son manager, c'est très important. Et Hugo, est-ce que ça a été difficile pour toi parce que tu as une relation très symbiotique avec ta mère? On a du fun, on est chums. Quand elle t'a annoncé qu'elle allait refaire sa vie avec Jacques Parizeau, as-tu eu un petit choc? Ben, j'étais jaloux pas mal. Là. Oui! Ça s'est surplacé. Mais ça s'est replacé dans le sens que moi, il a fallu que je l'adopte. Je savais pas c'était qui ce gars-là. En fait, je le connaissais comme tout le monde, un peu comme le bourgeois. Là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va venir faire dans la maison? Bon, mais avec le temps, j'ai vraiment apprécié ce gars-là. Ouais. Ouais. Mais pas longtemps, mais au début, c'est sûr que, bon, on était un peu réticents parce que, bon, je le regardais, puis il était imposant, tout ça, mais... Puis aujourd'hui, t'es à l'aise. Bien, c'est pas juste à l'aise, il m'apprend un paquet de choses. J'imagine, hein? Il m'apprend, en fait, même... j'ai découvert à quel point ce gars-là était vrai quand je le voyais faire du 4 roues en habit sur son terrain. Je me disais, waouh, j'étais vraiment impressionné, là. C'est vraiment quelqu'un d'authentique. C'est le fond de Jacques Parizeau, il a été premier ministre, c'est pas ça qu'il l'a impressionné, c'est le 4 roues. Ouais, absolument. Hugo, j'aimerais... Bon, je sais que tu commences dans le domaine artistique. En tant que gérante, pouvez-vous le convaincre de nous faire, je sais pas, as-tu commencé à faire quelque chose? Peux-tu nous faire une petite démonstration? Une chanson. Disons que Hugo s'en va plutôt vers le théâtre, si je peux bien expliquer. Ah bon. Peut-être juste un petit mot sur l'école du show business. Bien sûr, allez-y. Hein? Parce que, bon, on ne devient pas là, quelqu'un qui connaît bien le domaine artistique du jour au lendemain. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à un cours d'administration des entreprises culturelles et de gérance d'artistes. Et on peut s'inscrire à cette école-là. On peut s'inscrire à cette école-là. Ça s'appelle l'école du show business. L'école du show business. Alors, Hugo, il chante en plus du théâtre.
Alors, Hugo, nous fais-tu quelque chose? Oui, je vais chanter une chanson, c'est pas mon répertoire habituel, mais une chanson de Mozart qui s'appelle « Bonne nuit ». Je pense que c'est l'air, là. Ben non, mais à y rester quand même après. Bona nox, bistarichterox, bona notte, libelote, bonne nuit. Good night, heute muss man noch weit. Gute Nacht, zwirochte seid. Gute Nacht, schlaf feig gesund und bleib recht kugelrund.